dancing in your eyes. So how do I begin to tell you now that I can be the one to bring your angel out? In this life of sin, I can be your muse, I can be your ally, I can be your moon, I can be your sacrifice. I can be forever, little touch of heaven tonight. Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir ici à Anfield. C'est bien sûr Pierre Ménès qui va m'accompagner. C'est le tout premier match de cette saison. Liverpool affronte le FC Barcelone. Je crois qu'on va vivre un match plein d'incertitudes, Hervé, entre deux équipes qui ne se connaissent pas et qui auront l'une et l'autre envie de prendre une sorte d'ascendant. Henderson. Toy Gomez. Fabinho. Roberto Firmino en profondeur, oui, bien vu. Ah non, la passe en profondeur qui est interceptée. Il était bien placé, le défenseur. Frankie de Jong. Coutinho. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Il est parti trop tôt, dommage. Bon, on a la chance d'être dans un des stades mythiques du monde du foot aujourd'hui, Anfield bien sûr. Oui, oui, c'est la maison des Reds, très certainement un des stades les plus mythiques au monde. Voilà, Liverpool, hein, y a les Beatles et Anfield. Le stade en lui-même n'a rien d'extravagant, mais l'ambiance est invraisemblable. Mané. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Jordi Alba. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué, mais je pense pas. Oh là là, il est allé le chercher, ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, bien joué le gardien sur ce corner. L'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. Fabinho. Sadio Mané. Antoine Griezmann. Les Blaugrana qui ont le ballon. Passera tiré de Griezmann. Antoine Griezmann. Pjanic. La puissance était au rendez-vous.
mais pas la précision. Eh ouais, ça passe au-dessus. Sadio Mané. Frankie de Jong. Pjanic. Sergio Roberto. Allez, il faut le mettre celui-là. Le défenseur qui dévie le ballon dans son propre but. Pour Verni, le gardien, il n'y est pas pour grand-chose, mais la déviation a changé la trajectoire du ballon. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Salah, avec Mané. Avec Messi. Ousmane Dembélé. C'est dégagé. Allez, il y a un contre à jouer là qui est intéressant. Alors, centre peut-être dans l'axe. Allez, oui, peut-être l'égalisation. C'est vraiment une recherche d'efficacité hein, qui a primé sur ce but. Ouais, c'est clairement pas la technique, mais c'est pas grave. Parfois, ça paye aussi. Et ils égalisent donc un but partout. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Ouais, la faute qui stoppe une belle action. Et je ne serais pas surpris qu'ils prennent un carton là-dessus. Et carton jaune pour cette faute, où ils s'en tirent bien. Hein. Carrément même, parce que pour moi c'était rouge. De Jong. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Sadio Mané. Avec Vidal Doom. Ah, un centre complètement raté qui file en sortie de but. Les Reds qui perdent le ballon. Roberto Firmino. Mohamed Salah, Liverpool qui perd le ballon. Frankie de Jong, Lionel Messi. Ah, c'est une perte de balle. Wijnaldum pour Firmino. Super barré, on la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Il va faire combiner pour jouer ce corner. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Sergio Roberto. Antoine Griezmann. Griezmann. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Le but de Liverpool. Le Barça est mené. Avec De Jong et Messi. Ousmane Dembélé. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Le réalisateur qui partage des stats peu reluisantes pour Liverpool en termes de possession. Mais bon, c'est pas si grave, on dirait. Hein. Cette équipe a été plus réaliste et elle va tenter de gérer son avance en se disant peut-être que c'est pas à elle de faire le jeu. Pjanic. De Jong. Ah, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Wijnaldum. La fin des 45 premières minutes.
Le Barça qui court après le score alors que débute cette seconde période. Jordi Alba. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Pjanic. Frenkie de Jong avec Pjanic. Léo Messi pour Pjanic. Ah, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Un petit mot, Pierre, sur la première période de Sadio Mané. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Attention, attention à Léo Messi. Oh, c'est pas croyable, oh non! Allez, encore une égalité. Wijnaldum. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Le Barça à la récupération. Fabinho. Wijnaldum. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Sergio Roberto. Il décale vers Griezmann. Sergio Roberto. Samuel Umtiti. Adonimo Pjanic. De Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Une place là pour une contre-attaque. Occasion de prendre l'avantage. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Pjanic. Messi. Pjanic. Frenkie de Jong. Avec Pjanic. Jordi Alba. Pjanic. Il passe à redoublement qui se multiplie. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le penalty suffisait à lui-même. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. La passe est coupée et bien défendue. Une récupération des Blaugrana. Ah, elle progresse bien là. Jordi Alba. Messi. Antoine Griezmann. Le gardien, c'est pas fini. C'est une touche. Oui, il y a des options dans la surface. Attention, si ça rentre. Et l'arrêt du gardien. Corner, on va essayer de mettre un peu de présence dans la surface du côté de Barcelone pour tenter de prendre l'avantage. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Van Dijk qui éloigne le danger sur ce corner. Que d'occasion de but en ce moment. Alors le ballon circule à toute vitesse. C'est certainement pas très agréable pour les gardiens de but. Par contre, pour nous, quel régal. Sergi Roberto. Pjanic. De Jong. Il avait vu venir. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir.
Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu, dommage. Il transmet ce ballon. Le Barça qui aimerait porter l'estocade avec cette action peut-être. Ousmane Dembélé. Un très bon ballon là pour le Barça. Peut-être celui de la victoire. Et Metz qui perd le ballon. Gérard Piqué. Il redonne le ballon à Ter Stegen. Samuel Umtiti. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Il n'y a pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le but! Oh, le but qui va certainement leur donner la victoire! Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. C'est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Léo Messi. Et la bonne intervention de Van Dijk. Le bon ballon pour le Barça. Il ne faut pas le gâcher, sinon la défaite sera consumée. De nouveau Pjanic. Pjanic. Il résiste. Bonne protection de balle. Messi. Allez, coup franc. On va voir ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce qu'il la met au fond, celui-là? Pjanic. Bien repoussé par la défense. Allez, ce corner, c'est le moment ou jamais pour égaliser dans ce match. Allez, petite combinaison sur ce corner. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre.
Salut à toutes et tous, bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. On est bien installé, Pierre Ménès et moi. On est ravis vraiment de vous faire vivre cette rencontre qui s'annonce passionnante. Liverpool contre Manchester City. Oui, au classement, la hiérarchie est claire avec ses 3 points d'avance. Il y a un favori, c'est évident. Mais attention à ne pas se mettre inutilement la pression. Riyad Mahrez. Oui, magnifique cette passe. Rodrigo, Kun Agüero, Kevin De Bruyne, Agüero, et le but, déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Mohamed Salah. Qui est donné en profondeur. Et il a bien ces situations, ça là. Attention, ce n'est pas terminé. Et le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Un but partout, les deux équipes dos à dos. Match délicat pour les Citizens, Pierre. C'est vrai qu'on est deux équipes très proches sur le papier. Non, il va falloir oser et surprendre pour l'emporter. Où il était temps, hein. Il était temps. Mohamed Salah. Attention, si ça rentre. Personne qui repousse, ça joue. Le ballon qui est dégagé. Sterling. Ben, je crois que le public qu'il a trouvé son souffre-douleur hein, pour la journée. Ah, impeccable ce tacle, un ballon qui file en touche. Allez, centre peut-être dans l'axe. Rodri. Kai Walker. Il vient au duel. Mané. Manchester City qui remet le pied sur le ballon. Sterling. Sylvain. Kai Walker. De Bruyne. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Elle se contrée par Virgil van Dijk. Kevin De Bruyne. Ouais, c'est pour le gardien. Corner. Attention à ce coup de pied arrêté. On va chercher un partenaire avec cette tête. Bon, dégagement sans se poser de questions. Rodri. Rodrigo. Avec Kai Walker. De Bruyne, il s'empare du ballon. Bernardo Silva, ballon perdu. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Sadio Mané, le gardien, c'est pas fini. Kevin De Bruyne. Roberto Firmino. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Sterling. Kevin De Bruyne. Avec Sterling. Occasion de prendre l'avantage. Un corner. Une occasion de passer devant peut-être pour Manchester City. Sterling sur ce corner qui cherche le point de pénalty. Allez, une tête pour essayer d'alerter un coéquipier.
Riyad Mahrez. Et Agüero. Rodri. Voilà pour Agüero encore. Elle est contrée cette frappe. Et attention, ça peut devenir dangereux. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'impatienter. Ils ne pensaient pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasions aujourd'hui. Rodri. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Sergio Agüero. Ouais, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Roberto Firmino. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges assez fluides. Oh, la transversale! Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Technique de Firmino. Ouais, très bon tacle. Bernardo Silva. Ah oui, la bonne passe. Sterling. Allez, il peut y aller tout seul. Le ballon est perdu. Cette contre-attaque qui n'a pas été bien menée. Allez, un partout. Coup de sifflet de l'arbitre, ce sont les Citizens qui donnent le coup d'envoi de la seconde période. Sterling. Ballon en touche pour les Mancuniens de City. Rodri. La bonne passe. Sterling. Avec Bernardo Silva. Et les passes dans les pieds qui s'enchaînent. Kun Agüero. Sterling. Il prend sa chance. Oh, c'est un penalty! C'est un pénalty, ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Et la course des noms, et le but, il marque. Liverpool qui est donc mené. Fabinho. Il faut bien circuler le ballon. Ils sont patients. Anderson. Firmino. Fabinho. Fabinho de nouveau. Wijnaldum. Il va peut-être pouvoir égaliser. Non, sans problème pour le gardien. Et il concède le corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Anderson. Et c'est pour le gardien. Corner, c'est un ballon d'égalisation. On va peut-être assister à une contre-attaque. Riyad Mahrez. Ouais, pour Agüero encore. Mahrez. Et ce ballon qui est bien récupéré. Ah, il enchaîne les bonnes passes. De Bruyne. Et c'est contré par Virgil van Dijk. Allez, corner pour cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être de creuser l'écart. Van Dijk qui éloigne le danger sur ce corner.
Ballon perdu. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Là, il fallait intervenir urgemment. Rodri. Kyle Walker. Pour Rodri. Kevin De Bruyne. Sterling qui va s'enfoncer peut-être. Sterling. Ouais, le public qui en rajoute une couche, voire deux. Il y a vraiment un problème avec ce joueur. Cette attaque qui va en rester là. Sadio Mané. Sterling. Diego Cancelo. Sterling. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Sadio Mané. C'est pas ce qu'il a voulu faire, Sadio Mané, là, mais il s'est complètement raté. Il a donné le ballon à l'adversaire. Rodrigo. Ouais, il combine avec De Bruyne. Et la bonne intervention de Van Dijk. Ouais, il est passé. Attention à cette occasion. Oh, le but! Oh, le but de Reds! Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur une réaction de Liverpool. À la lumière de ces stats, on voit que les deux équipes font jeu égal en ce moment, avec des occasions de part et d'autre. Et aussi des buts, on l'a vu. Pour gagner, il faudra aller encore plus de l'avant, tout en se montrant plus solide derrière. C'est un peu la base du football. Riyad Mahrez. Ouais, bien joué par-dessus. Il essaye de trouver Sterling avec cette passe par-dessus. Oh, le but peut-être. La bonne intervention. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match. Rodri. Bernardo. Il se trouve vraiment bien, hein, les Citizens aujourd'hui. Avec un tir. Oh oui, il marque. La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match. Manchester City. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Liverpool qui va bénéficier d'un coup franc. C'est joué à deux. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Firmino. Liverpool qui perd le ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ben non, ils n'ont pas bien joué le coup, les attaquants, sur ce contre. De Bruyne. Avec Mahrez. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Le coup de sifflet final qui est proche maintenant. Une des dernières chances d'égalisation. Oh, le but ! L'égalisation à quelques minutes de la fin du match. Incroyable ! Voilà, c'est terminé. Cette rencontre qui se termine sur ce score de parité. Ouais, pas de vainqueur dans cette rencontre, mais au moins on aura vu les buts, c'est déjà ça.
Salut à tous, bienvenue ici à Liverpool dans le mythique stade d'Anfield. Hervé Matou avec à ses côtés Pierre Ménès qui vont vous faire vivre ce qui sera certainement un grand match de foot, on l'espère. Liverpool affronte Manchester City. Les joueurs qui se présentent aujourd'hui avec 3 points d'avance, donc évidemment l'objectif pour eux c'est de... Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, l'excellent tacle dans la surface de réparation en plus. Ah oui, c'est bien fait ça. Sadio Mané. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Manchester City, on a souvent désigné comme l'autre club, sous-entendu le deuxième club de Manchester. Ah bah c'est le jeu des supporters de Manchester United de dire que c'est l'autre club. Il y a un vrai mépris entre les deux clubs. Allez, ils peuvent égaliser là. Et l'égalisation ! L'égalisation ! Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce début de match. Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer, là, c'est plutôt sympa. Fabinho. Andrew Robertson. Robertson. Ah, bien vu, ça. Dorian qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Anderson. Oui, c'est bien taclé. Riyad Mahrez. Sterling. Allez, c'est pour Firmino, ce ballon un petit peu lobé. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'avait plus que le gardien pour l'empêcher de marquer. Ouais, mais au lieu de frapper comme un gros bourrin, il aurait mieux fait de réfléchir une demi-seconde parce que là, c'est très moche ce qu'il vient de faire. Kun Agüero qui s'enfonce. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le penalty. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Penalty manqué, ça ne fait jamais plaisir. Et puis ça arrive quand même à tout le monde. Mais là, l'entraîneur n'a pas l'air d'apprécier du tout. Avec Sterling. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Liverpool qui est donc mené. Number 7, Raheem Sterling. Anderson. Mohamed Salah. Allez, il peut égaliser là. Oh, ce tir qui frôle au poteau. Ça partait bien, pourtant. C'est pas très puissant, mais bien ajusté. Salah. 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 Personne qui repousse, ça joue. Rodri. Joao Cancelo. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. De Bruyne. Et la bonne intervention de Van der Beek. Ouais, ça, c'est un bon ballon récupéré. Kevin De Bruyne. Bien récupéré, bien joué. Il n'y a pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, le but ! Oh, le but de Reds ! Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur une réaction de Liverpool.